va saluer différents membres de la presse qui est avec nous matin, qui va faciliter nous dialoguer avec la population. Nous faisons conférence de presse à matin. Donc, objectif pour nous parler de situation sécuritaire du pays, spécialement en zone métropolitaine. Nous constatons, levé de bouclier, les différents gangs de la zone métropolitaine pour mettre panique dans différents quartiers en zone métropolitaine. Nous constatons au pas de la ville de Port-au-Prince, quand le village de Dieu attaqué en la ville, il y avait pression pour entrer en ville de Port-au-Prince. Nous constatons en même temps quand la ville attaqué la population de Cafoufeuille. Nous constatons en même temps qu'un torsel attaqué tabac, attaqué population, torsel, Vivi Michel a pris pression après Vivi Michel. Nous constatons en même temps qu'un du Milso attaqué Bedet, attaqué route qui menait son bon cabri. Nous constatons en même temps gang Canarin, attaqué quartier Lilawa, attaqué population Jérusalem, Koraï, Sestès, en même temps. Nous constatons fait ça et rapidement, recommandement la police a mobilisé différentes unités en dans la police pour contrecarrer mon tir. Et mobilisation, ça va permettre que nous réalisions des opérations en plusieurs points et en même temps contre bandit. Ça permet que au niveau torsel, tabac, quoi de bouquet, opération a continué et empêcher que bandit avance sous reste espace. Le moment que la parole à la police a parce que tout le tout côté dans un autre côté. Au niveau tabac, torsel, opération a continué pour permettre que la population dans la zone soit capable de fonctionner. Permettre que la mission diplomatique qui est dans la zone avec l'entreprise qui est dans la zone soit capable de fonctionner. Et graduellement récupérer l'espace occupé par Bandir. Pour permettre que la population retourne la qualité pour ici. Qu'en vous faites 17 août. Quand la ville attaquait la population de Cafoufeuille, il a incendié les maisons, il a oublié, et a créé une grosse panique générale dans Cafoufeuille, et occasionné déplacement de la population. Plusieurs unités spécialisées déployées dans Cafoufeuille. Et depuis tout ça, opération a continué, combat a continué chaque jour. La journée tant pour la nuit, n'a pas coupé. Et nous sommes capables d'annoncer à la population que y a certains abris que les bandits ont été occupés, espaces qui ont été occupés, qui ont parti que la police récupérée. Et au cours de l'opération, il y a plusieurs bandits. Malheureusement, qui tombe mortellement, qui blessé mortellement. Des armes qui saisit et des motocyclettes et autres qui saisit. Grâce à vaillant policier, grâce à une mobilisation population côte à côte avec la police là, dans la bataille qu'on fait là, nous arrivons à gagner des résultats. Et progressivement, on a pris espace pour permettre que la population progressivement retourne à la caille.
nous profiter de l'espace ça pour nous féliciter les policiers qui chaque jour dans la rue a travaillé, a risqué vivre pour répondre à l'obligation constitutionnelle que vous gagnez pour protéger la population qui a fait un gros sacrifice. Nous féliciter la population qui supportait la police et nous encourager plus de monde pour supporter la police par rapport au sacrifice que les policiers ont fait. Et font appel à certains monde qui ont tendance à minimiser la police, qui ont tendance à déstabiliser la police. Seule force que nous avons sur le terrain pour empêcher le chaos dans le pays. Donc, nous rappelons à la raison. Au lieu que vous shootez sur le policier, cracher sur le policier, mais on encourage le sacrifice qu'il a fait chaque jour à la rue pour protéger nous, pour nous garantir des hommes en avant. Nous toujours avons encouragé au niveau commandement, au niveau de la police, au mariage police-population. Encourager une bonne relation entre population avec la police. Nous toujours dit que c'est important pour que nous gagnions un mariage pour marcher côte à côte à la population. Cependant, il y a des règles, il y a des principes en matière de sécurité que nous devons respecter. C'est pour finir sur un incident malheureux, drame malheureux qui arrivait au niveau Canada. Nous avons informé la population. Gagner un groupe de monde, un groupe de fidèles. De manière spontanée organiser une manifestation qui gagne la tête en certain pasteur Mako. Et tout le monde s'est accompagné de monde qui armé de fusil d'assaut et il était bien uniforme vert olive sous l'eau. Foule ça était déterminé parce que pasteur ont dit que vous faites, vous priez pour vous, vous mettez des choses sur vous, donc vous ne prenez pas la balle. Il y a une croyance dans le temps pour ça, il y a une détermination dans le temps pour ça. Une fois que le commandement de la police a été informé de manifestations spontanées, instruction formelle est passée à commandant de juridiction pour que vous parliez avec organisateur événement ça. Notre objectif pour convaincre que n'est pas bon pour que vous allez au Canada par rapport à la réalité que nous connaissons qui est au Canada. Quand qui armé avec des fusils d'assaut, donc n'est pas bon pour que vous allez. Et établir un périmètre, un dispositif de sécurité pour empêcher vous d'arriver au Canada. La police a fait tout ça capable pour empêcher que la foule là arrive à destination. Malheureusement, la foule là subdivisée en plusieurs groupes et a contourné le dispositif de sécurité qui est établi par la police et qui vient déboucher sur un drame déplorable, malheureux au pays. Drame ça côté qui fait nous enregistrer plusieurs monde qui sont tués par dix. Sous drame ça, il y a une enquête judiciaire qui ouvre dans le niveau direction centrale police judiciaire pour identifier et fixer la responsabilité de tout le monde qui est impliqué dans le drame ça. Quel que soit le monde qui est impliqué là-dedans, l'État a assumé les responsabilités pour qu'il applique la loi. En même temps, la police a continué l'opération dans une zone dangereuse pour permettre que la population, au fur et à mesure, retourne dans la caille. On est capable de rassurer la population que la force de police a pris de tous les côtés. Actuellement, opération a continué dans différents points en Abéria,
dans la zone métropolitaine, dans différents quartiers et dans la Timonite en même temps. Nous remercions le membre de la presse qui est avec nous et nous disponibles et disposés pour nous répondre aux questions de la presse. Écoutez, on avait noté quelques journalistes pour poser des questions. Il va identifier eux, donc il va dire oui. Métropole et puis Nouvelle-Lise. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, chers amis, bonsoir, bonjour. Moi, c'est Jean-Jules Desaugustes, je travaille pour Radio Télévision Métropole. Monsieur le directeur général, après drame Canaan, qui ça, la police se défait, surtout nous connaissons plusieurs dizaines de fidèles qui mourent en bas, images virales sur les réseaux sociaux, d'une part. Ensuite, il y a la question de la force robuste de l'international qui va venir dans le PIA, qui ça, et la police fait lui-même en termes de préparatifs, puisque on dit que c'est la police qui va continuer à mener le combat, ce n'est pas l'international qui est. La force internationale, comment sont les préparatifs au niveau de la police nationale? Merci beaucoup. Canaan, même j'ai avec Cafoufeuille et l'autre quartier en dans la zone métropolitaine, même j'ai dans la Tibonite, la police là a fait opération et au fur et à mesure, en fonction de renforcement logistique que nous avons fait, nous avons amplifié l'opération. Donc, l'opération a continué. Question arrivée force délégation Kenya dans le pays dernièrement. Nous sommes capables de dire que souvent nous parlons de transformation environnement sécurité pays. Dans le temps passé, la menace que nous avons eu, le mode opératoire bandit, c'était braquage, utiliser armes de poing pour commettre forfait. Je dis à bandit qui a eu le fusil d'assaut, à clot équipement. Ça va bien pour que la police que nous avons eu en 1995-2000, pour qu'elle transforme. Transformer par rapport à la réalité aujourd'hui, à savoir en termes d'équipement, en termes de formation, la police doit transformer pour répondre à la réalité que nous vivons là et assurer la sécurité pays aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, processus de transformation de la police a fait graduellement en attendant pour répondre à grands défis que le pays a gagné en matière de sécurité. Premier ministre, nous avons adressé en demande à la communauté internationale en support pour venir supporter la force police pour nous déclarer ce problème rapidement, mais pas pour remplacer la police, mais pour supporter la police. Dans le cadre de demande ça, la police a été reçue une délégation qui vient du Kenya. Côté que nous discutons avec eux sur des questions techniques professionnelles, pour nous dire. Mais en réalité, situation sécuritaire pays a, mais besoin que nous souhaitons, support que nous souhaitons gagner. Et de manière professionnelle, nous te fait valoir ça. Donc reste là à déterminer. D'accord, des personnes tuées. On dit que la police a même gens à Cafoufeuille, à l'autre endroit. Canaan a pris des opérations qui réalisées et qui a pris plusieurs objectifs. Neutraliser comme l'eau, récupérer cadavres et autres, avec plusieurs objectifs. Le nouveliste. Bonjour, je suis Jean-Junior Célesté, je travaille au journal Le Nouveliste avec Magic 9. Directeur B, Magic 9, Le Nouveliste a répondu qui. 18 août, c'était une note de direction générale là qui dit qu'il y a mobilisé ensemble effectif, unité spécialisée pour capable de renforcer la capacité opérationnelle de la police là et puis intensifier l'opération. Qui effectif policier qui est dans l'ensemble
unités spécialisées qui sont mobilisées. Vous parlez de l'opération qui est faite de façon simultanée. Vous dites qu'il y a plusieurs bandits qui mourent, l'examen qui saisit, mais on ne va pas aucun chiffre. Si vous avez un chiffre, partagez avec nous. Et puis, toujours dans l'effectif, après payroll, la police, là, combien de policiers qui viennent pour un chèque dans la direction départementale? Ça veut dire qui effectif policier, je dis à qui en détachement. Pour précision, on a une possibilité. Demandez sur notre public, qu'on publie matin. Nous disons qu'il y a une manifestation qui est faite de façon spontanée, on comprend ces prix de secours, mais nous disons qu'il y a une disposition qui est prête pour parler avec l'organisateur, et puis qu'il y a une disposition qui est prête pour contenir le foule-là pour ne pas priver le canal. Qui s'est passé que fait mon yon aller? Est-ce que c'est efficace et dispositif qui n'est pas efficace? Nous disons qu'il y a un monde qui a accusé d'assaut, qui était en fait pour livre, combien vous êtes? Merci. En nos institutions, force de l'autre, il y a des éléments qui sont très sensibles et qui sont stratégiques. Au niveau de la police, là, effectif la police, là, c'est un élément sensible et stratégique. On n'a pas même pas parler de effectif policier. Parce que lui, son élément qui est sensible. Dispositif pour empêcher que foule là t'es végétal. Oui, c'était une manifestation spontanée. Pas de notification à la police de manifestation. Commandant de juridiction, t'es approché foule là et parlé à l'organisateur. Donc c'est pas préalablement à manifestation, mais c'est au cours de manifestation. Quantité hommes armés en tenue vert olive, donc le mouvement Bakadou exact, quantité exacte là. Nous avons dit qu'il y a plusieurs. Et détails sous quantité, sous identification, sous monde qui organise l'événement ça, planifie l'événement ça, qui mène nous à la Kajik ça. Il y a une enquête qui a mené au niveau des CPJ pour faciliter l'autorité judiciaire de fixer les responsabilités. L'opération a continué. Donc, on attend le dernier rapport pour que nous communiquions avec la presse. Il faut dire que nous allons gagner une meilleure communication entre l'institution de la police, avec la population, avec la presse, pour périodiquement nous informer la population du travail la police a fait. Donc, communication de la police a supposé renforcer. Et puis, rapidement, pas longtemps, on a créé une conférence de presse pour que nous allons présenter le bilan opération que nous avons mené. Donc, nous, en mode mobilisation. Mathieu Kiskeya. Bonsoir, DG, moi, c'est Hervé, le travail pour Radio Télé Kiskeya. Nous avons aimé la direction générale de la police expliquer nous qui ça qui explique la consolidation de l'espace pour faire intervention au page. Il y a ça qui rencontre, par exemple, plusieurs espaces. Par exemple, notre garde de Yvonne Cabril, notre garde de national numéro 1, Quapéris. La police aujourd'hui fait intervention pour couler l'espace des bandits, mais par exemple, pour consolidation de l'espace véritablement qui fait. Expliquez-nous qui est ce qui fait et l'aspect ça nous pas capable d'aborder. Et puis deuxième aspect, question, cette chaîne d'approvisionnement criminel, est-ce que la police a l'idée de comment les approvisionner et qui ça qui fait la police pas gagner regard sur l'aspect ça. Vous parlez de plusieurs espaces pour faire intervention et foyers de gang. Même dans les combats pour cette explication déjà en ce qui concerne l'aspect ça et l'intervention de faire dans plusieurs foyers de gang. Merci. Consolider l'espace que nous faisons des opérations, on a dit que de consolider parce que jusqu'à présent,
nous avons contrôle zone de capable de route qui mène mon café malgré que quelques pressions sur lui on boumé tout côté que nous boumé yo nous rivé consolider à qui que nous faire dans zone. Donc la boule Thomas 15 off à un moment donné était troublée. Et nous avons des opérations policières à l'autre bord, dans différentes zones d'Aïo. Côté que nous avons rétabli l'autre, et jusqu'à présent, nous arrivons à Kembe à Kisa. Nous faisons des avancées et nous conservons à qui. Donc nous sommes capables de dire, étape consolidation, isolement et consolidation à qui, dans la lutte que nous avons menée contre Bandiyo, nous arrivons à Kembe. Donc, nous sommes capables de dire isolement et consolidation que nous avons fait de petits espaces au fur et à mesure que nous prenons, nous arrivons à consolider. Son bataille qui est longue, mais nous sommes sûrs qu'au mariage pour les populations, au mariage entre différents acteurs dans la vie nationale, là, nous arrivons. Moi, je ne vais pas rentrer en pile, je vais détailler sur la chaîne d'approvisionnement gang. Mais je rassure que des études qui faites, côté que nous détectons force avec faiblesse, hauteur, et comme nous sommes en bataille que nous avons mené, nous toujours dit que nous avons mené en bataille, comme toute qualité bandit. Que gang à sa patte, que gang à cravate, à partir de renseignements que nous avons menés, nous avons fini par arriver sous gang à cravate. Pas seulement bandit qui n'en a rien à dans le ghetto avec sa patte qui a pris la fusil, mais arriver à partir de renseignements que nous avons gagnés pour nous arriver sous moun à cravate. Donc, son lutte que nous avons menée à plusieurs niveaux. Bonjour DG, bonjour tous les amis confrères de la presse. Moi c'est Arnold Junior Pierre, je travaille pour Radio Télé Galaxy. DG, la police a dit que n'y pas de moyens pour te faire opération. Il est blindé, yo ballon bon balle blindé. Donc qui ça qui empêche dans opération faite dans Matissan, dans Canaran, dans petit rivière pour craser comme ça. Ça nous réunit toujours à boumer contre bandit. Dans plusieurs points du pays, il y a des opérations qui réalisent. Nous sommes cités au large, nous sommes énumérés quelques coups. Et la minute que nous avons parlé là, la police, tout côté ça au large, à boumer. Mais nous parlons de transformation de la police là, ça veut dire qu'il faut nous renforcer la police là au fur et à mesure. Formation pour les policiers nous qui ont été spécialisés, il faut continuer. Il faut que la police a renforcé la capacité opérationnelle à partir de l'acquisition d'équipements que nous avons fait. Et le gouvernement comprend la réalité. Il y a des dépôts considérables qui font pour équiper la police. Maintenant, ça a arrivé par rapport à la contrainte qui gagnait. De contrats que nous signons avec le film, délai ou pas strictement respecté, mais la police là a renforcé en matière logistique qui pour permettre que la police soit plus performante pour que nous la police cap mener l'opération et rentrer dans la phase de mandalement gagné. Dernière question. Oui, qui m'a de chaîne rédactée avec le journal Haïti Liberté. Le rapporteur spécial des Nations Unies a dit dans les années dernières, il a joué que la police Kenya a
organisé ça au relé des escadrons de mort. Et na, moi j'y ai seulement, police Kenya a tué 35 manifestants dans la manifestation qu'ils fait dans Kenya, jusqu'au point côté du Bureau des droits humains des Nations Unies, tu es obligé de mettre dehors une déclaration de grande inquiétude sur la situation dans Kenya. Est-ce que la situation c'est à côté de Fossa Abinkunia en Haïti peut-être? Est-ce que ça inquiétait autour? Dernière question. Faut que nous rappelions tout le monde que nous avons des supports à la communauté internationale. Là. Donc, nous parlons de une force multinationale, nous ne parlons pas de une force Kenya. Donc, force multinationale là a bien plusieurs pays là-dedans. Ça a arrivé que un pays bail troupe, on l'autre pays bail logistique, on l'autre pays bail finance. Donc c'est un appui communauté internationale là, il part, on appui uniquement de force Kenya. Donc, quel que soit l'appui que nous gagnons, nous, comme professionnels, n'avons toujours agi en fonction de la loi, en fonction du respect de la loi, en fonction du respect de l'intégrité, tout le monde. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude. Mais, nous avons fonctionné selon la loi, selon le respect de la loi. Merci.